continuer à être en lien avec les jeunes. Il fallait qu'on puisse continuer à imaginer des choses comme les activités qu'on mettait en place, qu'on puisse continuer à être en lien avec eux. Et puis on a commencé à développer ce qu'on appelle nous les challenges. Alors ça pouvait être des challenges culinaires, ça pouvait être des challenges sportifs, des challenges rigolos. Tous ces challenges-là nous permettaient de discuter en groupe sur Snapchat, mais aussi à un moment donné de revoir chaque jeune individuellement. Et c'est vrai qu'on a commencé à voir d'autres collègues voir des petites vidéos de challenges. On a fait des challenges intersecteurs avec Borny, on a fait des challenges avec Bellecroix. On a vraiment développé ça avec d'autres collègues pour que ce soit au-delà d'un territoire. On travaille donc beaucoup avec les réseaux. On a installé des réseaux qu'on ne connaissait pas, donc comme TikTok. Moi, Instagram, j'avais jamais de compte Instagram, c'est rare. Donc on a tous les réseaux sociaux. Donc tous les jours, on est en contact, on est dans des groupes de discussion donc avec les jeunes. Donc on discute, on leur propose des challenges, que ce soit des challenges sportifs ou autres. On leur propose plein de choses. Et à côté de ça, notre travail ici à Borny, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de rue. Donc en fait, on tourne dans tout le quartier, on regarde un peu, on discute avec les jeunes, que ce soit des plus jeunes ou des adultes. On leur explique un peu, parce qu'il y a quand même des règles de confinement, il y a des règles à respecter, etc. Les distances des sécurités. Et on est depuis 2 semaines retourné sur 15 heures sur du travail de rue. Et c'est vrai que l'accompagnement qu'on fait dans notre local, il est plus sur de l'individuel. On pouvait avoir des visios avec les parents, de dire voilà, écoutez, on a l'impression que ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un souci donc, de pouvoir continuer cet accompagnement-là par le biais virtuel. Rapidement, on a eu des retours des collèges qui n'avaient pas du tout de lien, plus de nouvelles de certains jeunes. Alors que nous, régulièrement, elles avaient via les challenges, via Snapchat ou Facebook. Et du coup, ça nous a permis de rentrer facilement en lien avec ces jeunes-là. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'ordinateur à la maison. Du coup, on a dû aller chercher à droite à gauche dans nos connaissances, dans nos réseaux, pour pouvoir se produire en ordinateur. Donc, on travaille énormément avec les collèges, que ce soit Paul Valéry et Redoublement. Nous, de notre part, c'est plus Paul Valéry, dans le secteur Limousin, où il y a énormément de jeunes décrocheurs qui ne sont pas connectés à leur ENT depuis le confinement et qui n'ont pas fait leurs devoirs. Donc notre but était d'aller avec les collègues, on a fait du porte-à-porte, rencontrer les parents, leur dire comment ils peuvent se connecter. Il y a énormément de parents qui n'ont pas d'ordinateur, donc le gamin sont en difficulté scolaire. Donc on a fait le nécessaire de leur rapporter des ordinateurs. Là, on a pu aussi de nouveau faire ces suivis de ces gamins-là pour qu'ils puissent rendre leurs devoirs. On les a invités aussi à venir au sein de l'association par famille, seulement en famille, pour qu'ils puissent se connecter, leur montrer comment se connecter, comment travailler, et surtout pour qu'ils puissent rendre leurs devoirs aux professeurs qui le demandent. Est-ce que c'est juste ça? 1983, 1996, là ça se passe. Le principal du collège des Haut-de-Blémont nous donne des enveloppes. Il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'élèves qui n'ont ni internet à la maison, ils n'ont ni de réponse de leur part et ni internet à la maison. Donc on va leur apporter nous-mêmes, on va faire du porte-à-porte comme a dit mon collègue, on va leur apporter nous-mêmes les devoirs à faire. Donc quand ils ont fait ces devoirs-là, ils devront juste le déposer dans la boîte aux lettres donc, du collège des Hauts-de-Blémont. Et avec les partenaires, donc, on fait de la distribution de colis alimentaires. Donc pour toute personne en fait, qui est en difficulté, que ce soit financière ou autre, on peut les aider en fait en leur faisant bénéficier d'un colis alimentaire. Un métier qui peuvent sur lequel tu peux t'orienter en fait. Tu as les métiers du bâtiment ou tu as les métiers sur l'alimentaire. Et c'est vrai que l'accompagnement qu'on fait dans notre local, il est plus sur de l'individuel. Parce que là, on n'a pas le droit effectivement d'être
tous ensemble. Et c'est vrai que ça pose souci parce que tous les jeunes se sont retrouvés devant la porte en disant « Oui, moi je veux être là, moi je veux être là. » Et c'est très difficile parce que les jeunes, ils n'en peuvent plus à la maison. On a des jeunes en fait qui sont en conflit perpétuel avec leurs parents, quoi. Que ce soit leurs parents ou leurs frères et sœurs, quoi. C'est surtout pas évident pour un jeune de tenir toute une journée à la maison. C'était très difficile et c'est très difficile encore actuellement. Donc on essaye de rappeler les règles. Il fait beau dehors en plus de ça, donc ils en ont marre d'être confinés. Et puis surtout dans ce quartier, ils voient que d'autres personnes sortent. Comment ça se fait que moi je ne sors pas? Comment ça se fait? Et c'est vrai qu'on a essayé de développer des séances de sport en respectant les distances sociales, les règles de sanitaires. Ça veut dire qu'on a essayé, comme ce qu'on a pu voir à la télévision, des gens qui développaient des actions sportives. Et chaque personne pouvait être de son balcon. Donc on a essayé de continuer le sport en faisant venir les jeunes échelonnés, en les plaçant dans différents endroits, mais on voit très bien qu'à un moment donné, les jeunes se regroupent, ils ont besoin de ce contact-là, donc du coup, il fallait qu'on soit très vigilant. Attention, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... L'après-confinement, bon, en espérant qu'on puisse rouvrir notre local, donc on ne sait pas encore comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'éducateurs, on a cette capacité-là de nous adapter, voilà, de développer des actions, de continuer nos missions, d'accompagner les jeunes, d'accompagner les familles. Et on a plein d'outils qui nous permettent de continuer à faire ce travail-là. En fait, on a la chance d'avoir un métier qui ne peut ne pas s'arrêter parce qu'on a les médias nécessaires, qu'on a l'accompagnement individuel encore, on a encore notre travail de rue qui nous prend du temps, surtout sur les territoires qu'on intervient, quoi. Donc du coup, nous, notre travail, on n'aura pas de mal à se remettre à 100%, quoi.